Mais si c'est la fameuse cheminée où j'ai trouvé mes premiers diamants. Ça doit pas être celui-là. Rebord. Non. C'est calme, beaucoup trop calme. Ah non, c'est bon, c'est moins calme. Ouais, très profond. Je vais quand même aller scanner ce truc-là. Je suppose que je l'ai déjà, mais on ne sait jamais. Stockage, donc oui, je l'ai. Bon, on refait une fois le tour. Et après, après on sort d'ici. Qu'elle donne l'impression qu'il serait plus par là-bas. Je vais aller explorer à la nage, c'est trop petit. Ok. Ah. En vrai. C'est trouvé. Merci pour les indices. C'est celui-ci, hein. Ah non, c'est même pas encore celui-ci. J'ai trouvé un truc, mais c'est pas le bon. Ah. Non, tu ne m'auras pas cette fois-ci. Merci. Non. Bah, en tout cas, il m'a rien dit. Et ouais, l'artefact, il est à 400 mètres d'ici. Bon, ça m'a rien donné en plus. Mais j'en ai trouvé, hein, c'est. Ah, heureusement que je fais le tour. Rien d'autre à scanner. Alors c'est dans la caverne des singes de mer. Ouais, bon, on va remonter, on va partir à la recherche de ça. J'ai quand même envie d'un peu explorer cette grotte. Donc, on va refaire un tour. Ok, donc ici ça a été exploré. De l'autre côté. Ok, ça tourne en rond. Ici, je viens ici. On n'a jamais scanné ceci. Et ben voilà. On va. Remonter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord partir vers l'ancienne base, enfin la première base de Marguerite. Voir si on peut explorer. En revenant, on va essayer de trouver cette faille avec le nid de singe. À mon avis, ça va être compliqué à retrouver si je reste dedans. Non, pas ici. Dernière position. Non, dernière position.
position, il est par là. Après, si je trouve, je tombe dessus comme ça, c'est bien, mais. Oh non, encore cette grotte. C'est la grotte de l'enfer. Tu rentres, tu ressors pas ici. Normalement. Normalement, ce n'est pas loin de la capsule du début. Ah, bah parce que ça, j'en ai déjà. Ah, c'est peut-être celle que j'ai déjà explorée alors et qu'en fait, il est toujours affiché. Parce qu'on en avait exploré en tout début, dans, justement, dans les grottes avec toutes les le gros arbre racine. Il me semble qu'on en avait exploré un au tout début. Justement, j'avais galéré à le trouver. Parce que la caverne est profonde. Ouais, bah on passe, on essaiera de retrouver là. Je vais aller voir la base, essayer de scanner encore des trucs dans la base de Marguerite. Qui, on ne pouvait pas accéder dans la première base, il y a deux parties, on pouvait pas accéder à la deuxième. Mais maintenant qu'elle est censée être partie, dans sa. Comment dire? Dans sa serre. Il y en a un qui est derrière moi, je le sens. Tu ne m'attraperas pas. Et on plonge. Allez hop. Et puis, bah oui, celui-là, on va quand même aller vérifier que ce soit le même qu'on ait déjà analysé. Si c'est le même, je l'enlèverai. Et si le jeu s'amuse à m'embêter comme ça va pas le faire. Et puis si on plonge. Ok. Et là, on suit les bâtons lumineux. Tiens, celui-là. Celui-là, il a l'air de ne pas avoir été analysé. Ah si, déjà. Ok. Dommage. Okay. Et ici. Par là. Non, c'est. Par ici alors? Ça y est, je vais plus retrouver la trace de sa base. Ah si, c'est bon. Est-ce qu'il y a des. Là, il y a des éléments en plus. Ça se scanne. Module de réacteur thermique. Je l'ai déjà. Normalement, c'est ici, ça c'est derrière la racine. Très bien. Objectif, ce truc là-bas. Par contre, son animal, comment il a fait pour sortir d'ici? Aucune idée. Mais. You again. Elle est revenue. Et son animal est revenu aussi. Je peux te parler ou bien. Eh. Il nage. Ouais.
Ouais, bah oui, il n'y a pas le choix, mais quand même, je l'imagine pas en nageur. Quoique, si, on pourrait. Il faut que je lui dépose sa fourrure, mais à part ça. Ok, on a des choses à scanner par là, mais moi je veux scanner ce qu'il y a dans son appart. C'est dégueulasse chez elle, franchement. Elle l'a mis dans sa poche. Il y a un truc. Douche. Ah, une douche. Eh ben. Et des. Sacrément. Une douche et des toilettes. C'est de grand luxe. Le miroir, on peut pas le scanner. Quel dommage. Et je peux l'utiliser la douche. Pas celle-ci, en tout cas. Hop. Ah, un truc. Fortnite into our voyage. I was more or less living inside the creature's rib cage. It meant shelter and it meant food. The flesh was starting to rot. The stench was unlike anything I'd ever smelled. As we floated, the temperature dropped and the rotten meat began to stiffen and freeze. Slowly, almost imperceptibly, the Reaper began to lose buoyancy. We sank a little each day. My sanctuary was becoming my tomb, and I was at the mercy of the current and the winds. Until one day, I saw a smattering of penguins in the distance. Swimming birds usually mean solid land of some kind. I was lucky. The winds followed their path. Hours later, I saw a blessed sight. An unmoving cloud sitting upon the water. Alors, cuisine, plaque électrique, je l'ai pas scanné. Effectivement, petit poil. The Reaper slowly sank, but I was no longer worried. When the Reaper finally sank below the water, I was close enough to lazily swim my way to shore. I made a note to come back for the Reaper skull. I didn't ride the beast for 3 weeks to have no proof. Land never felt so good, even in this Arctic hell. Ok, alors rien d'intéressant. À mon souvenir, c'est bon. Ok. On va laisser la porte ouverte, de toute façon. C'est au chaud. On peut pas te voler ton prône là, non? Je le trouve classe. Dommage qu'on puisse pas le voler. Et on descend. Ok. L'autre. Ah, peut-être à partir d'ici, on a 400 mètres. 400 mètres par là. On va commencer par ici. Tu as ici un module de défense de Seatruck. Dans cette zone-ci, un module de défense de Seatruck? Ou à l'intérieur de sa base? À l'intérieur. Ok, je retourne voir alors. Parce que là, il n'y a rien. Sur son truc ici, il n'y a rien. Là, on peut pas avancer. Il y a le truc là qu'il est en train de manger, mais je peux pas lui prendre. Ok. Donc non, je vois pas. Ça se trouve, j'ai déjà récupéré avant, mais. Mais vu qu'il n'y a rien à récupérer ici.
tant pis. Pas grave, au pire on reviendra une autre fois. Ou sinon on n'en utilisera pas, c'est encore plus marrant. Donc moi ce que je voulais faire, c'est tenter d'aller vers là-bas. Ici. Tac. Là. Rien, bon, on continue à remonter. On est à 500 mètres de l'autre, on va vite y aller pour confirmer et éventuellement l'enlever. Agro agro, ok. Tiens, ici, je suis déjà venu. Ça me dit rien du tout. Apparemment, je suis... Attends. C'est parce que vraiment, ça... Ça me dit peut-être quelque chose. Mais je suis tellement pas sûr. Je peux pas scanner ce truc-là. Quand même envie d'aller voir ces trucs bleus là. Est-ce qu'on peut les ramasser? Non, ok. Bah, j'ai déjà dû venir. Ouais, il devait y avoir. Ok, je suis déjà venu ici. Ça me disait rien du tout. Ouais. Je vais aller scanner et enlever ce truc-là. Je le scanne, je le récupère. Hop. Voilà. Ensuite, je sors. Sors par ici. Ah, l'eau, tiens. Merci. C'est bon, l'eau. Ici, PK8. Il est. Par là. Je reviens toujours sur les mêmes endroits, non? Je tourne en rond. Il faut que je sorte. Est-ce qu'il y a une sortie? Voilà, on est sorti et il y a un morceau de vaisseau. Je pense qu'il m'a tout l'air d'être là, celui où j'ai trouvé le dernier truc qui me manquait la fois passée. Si c'est celui-là. Il devrait juste y avoir une entrée cachée là derrière. Ouais, c'est bien ça. Hop, et donc PK8 là-bas. C'est un truc, c'est encore du module.
Ouais, c'était ici, ça a bien l'air d'être ça. Ça n'a pas l'air d'être trop différent. Ouais, donc le PK8, je vais l'enlever. Je vais l'enlever ici. PK8. On ne veut plus le voir. Ah, mais sérieusement, pendant que je regarde pas. Hop, du coup j'ai plus que Q59 à aller chercher. Dès que je me suis assez éloigné, je m'arrête, hein, mais là je me sens pas en sécurité avec avec celui-là derrière moi. Je vais également essayer de me nourrir. Tac. Non, je peux pas les tuer en une fois. Bon, on va essayer d'en trouver un autre. On ne demande pas beaucoup, je demande un qui est comestible. Là, toi, par exemple. Hop. Et appliquer un patch de réparation. Ouais. Ouais, mais je vais retourner dessus juste après pour être sûr qu'il soit OK. Mais normalement, c'est bon. Ici, il n'y a pas un petit poisson qui se cache. Non, pas ce genre de poisson, merci. Des explosifs, je suis pas très fan. Ça tient mal sur l'estomac. Hop. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ça va. Est-ce que j'arriverai à faire 100 mètres en 18 secondes? 12 secondes pour faire 60 mètres? Oxygen. Oui, non, je vais pas remonter à la surface. Je vais rentrer là-dedans. Hop. Ouais, c'est bon. Niveau sécurité, on est bien. Enfin, niveau tenue. On pourrait continuer, mais de toute façon, il va se réparer quand on ira à la base. Là, je vais sortir. Tac. Alors, quand même, je suis pas hyper en sécurité ici, je pense. Mais en tech, Marguerite, on s'en fout. Ici, tech en véhicule, combinaison Prone MK3. Ok. Très bien. Habitat. Hop. Recherche. Recherche de vie indigène. Ok, oui. On va. Hop. Flore. Hop. On s'en fout. Est-ce qu'il faut... Merci. Et en océan, on a quoi? Conduit hydrothermal. Très
Bien. Et le plus important, câblage des architectes. Ok. Échantillon de sol. Échantillonnage de sol. Analysant l'échantillon de terre et de roche, les scans indiquent la présence d'un équipement relativement semblable au laser matériel. Ok. Obélisque. Champ électromagnétique. Ok. Neutre. Ok. Et satellite. Okay. Rien d'intéressant dans toutes les données qu'on a. Et ici, bah ici, il me dit celui-ci, mais celui-là, c'est bon, on l'a fait. Donc arrêtez de me le dire. J'ai juste activé les deux l'autre. Voilà, pour moi, celui qui est près de la base, dans le nid, dans les nids des singes, c'est celui-là. Donc je vais partir vers celui-là, hein, du coup. Mais je suis pas sûr qu'il y ait, y a quand même l'air d'avoir de la distance entre les deux. Parce que celui-là, lui, il est près de la base, ça oui. D'ailleurs, c'est le premier qu'on nous donne à aller chercher une fois que Alan est avec nous. Ouais, il a l'air d'avoir 1 km entre les deux. Ouais, non, ce sera pas la zone des nids de singes auquel je pense alors. Ça peut pas être ça. C'est trop loin. Bon, on va tout récupérer en données. Salaud. Viens de tourner en rond, c'est très bien. Essaye de repérer une sorte de gros tronc avec des lianes. Hop. Aïe, ça brûle le feu. Ouais, c'est le hub central. Faut que je retrouve le hub central. C'est que des petits. Ouais, l'aquatracteur, il est là-haut. On va retourner vers l'aquatracteur. Ici à gauche, il m'intéresse. Non, raté. On ressort. Et l'eau, ça mouille. Ouais, non, c'est faux. L'eau ne mouille pas. Hop, on va mettre des cendres là-dedans en aquatracteur, c'est l'horreur. C'est pas celui-ci. Après, c'est peut-être une autre zone, mais. Oh non, là, on passe pas.
On ne passe pas non plus vu que c'est la même zone. Ah non, on passe. On passe pas plus loin. Passe pas plus loin. Ah tiens, encore des trucs à scanner ici. Ça a pas l'air d'être dans cette série de grottes, vu qu'elle communique. Enfin, j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal tourné en rond dans celle-ci. Lui, mais arrêtez avec ça. C'est peut-être dans une autre, hein. De toute façon, celle-ci, la X3J, je l'ai déjà. Donc je vais la réenlever de mes affaires. Ouais, l'aquatracteur de l'autre côté. Hop. Je vais donc redésactiver X3J et je ressors. Et je vais essayer de me rapprocher de l'autre et de trouver une autre entrée de nid. Ici, rien. Bon, pas grave, ça viendra si ça veut, c'est pas vital. Non, mais du coup, là, tu vois, j'ai plus de mission à faire. Il me reste juste celui-là à trouver pour l'alien, mais à part ça, j'ai pas d'autres. J'ai pas trop d'autres objectifs. Marguerite, elle m'a rien donné d'autre à faire. L'alien, bah, il faut que je trouve tous ses artefacts. Du coup, bah, il faut que je trouve des morceaux de corps, il faut qu'il retrouve la mémoire, il faut qu'il trouve des indices pour qu'il me donne des points. Donc là, en vrai, c'est de l'exploration qu'on doit faire. À moins qu'il y ait quelque chose, une partie, une quête, enfin un objectif que je n'ai pas en tête, ce qui est possible. Là, en objectif, j'ai l'impression qu'il reste rien. Enfin, si, il reste construire des trucs du tracteur, hein, mais c'est d'ailleurs ce qu'on va aller faire après. Techniquement, c'est trouver les morceaux de corps et la bactérie. Ok, ouais, mais on n'a pas d'objet, enfin, on n'a pas de point précis pour le moment. Et il faut les trouver, quoi. C'est un petit peu enfin, bonheur à chance. Hop. Et explorer les îles, bien évidemment, avec le manchot pingouin, enfin le manchot espion. Hop. Ici, on est près de chez Delta, ok. Après, je me demande, dans ce qu'il nous avait donné un truc, polyaniline, on peut la faire, je pense, non? Ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Le diamant, on en a. Ok, on va commencer, on va aller faire ça. On va aller faire le premier morceau de corps pour Alan. Et on va aller ensuite fabriquer les morceaux de tracteur. Peut-être qu'en ayant premier morceau de corps, il va se dire, ah tiens, j'ai une idée, va voir ça. On sait jamais. On peut espérer. Donc on a dit ça, polyaniline et plastacier. Polyaniline, donc ça,
Et place ta scie, voilà. Welcome aboard, Captain. Hop, on a un d'or, ok. Du sel, ah tiens, je pense pas que j'en ai du sel. J'en ai peut-être. Allez vérifier ça. Hop, ici. Ok, très bien, patate. Ça. Ok, donc, on va commencer. Faisons le plus simple. Le plus simple, c'est de d'abord faire ici un lingot de plastacier. Un lingot de titane. Donc, suite à un voisin qui faisait un... Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Donc, j'ai dit que là, pour ce que j'allais faire, c'est que j'allais construire le premier morceau de corps pour l'alien. Parce qu'ainsi, peut-être qu'il me dira, ah, tiens, c'est vrai, il y a ça à faire. Et qu'il me dira ce que je dois faire ensuite. Et on va aussi fabriquer des morceaux du tracteur. On va partir sur du build. Pas trop d'explos pour le moment en tout cas. Hop, ici. Tac. Sachez. Très bien. Et donc maintenant il me faut du sel. Les anémones, donc les anémones ça va. J'ai pris la mauvaise porte. Tac. Une, deux, trois. Les graines. Une, deux. Voilà. Donc les anémones, j'en ai. On va essayer de trouver un dépôt de sel. On essaie de trouver sans scanner. Juste en plongeant. Il doit y en avoir ici quelque part, un dépôt de sel. Sérieusement. Bon. Pas de dépôt de sel. On va continuer encore plus profond. Ok, pas de dépôt de sel. Je sais où je peux trouver un dépôt de sel. Je suis très très stupide. C'est exactement ça. J'ai vu ton message après y avoir pensé. Mais oui, on va aller chercher dans le filtreur. C'est une excellente idée. Filtreur. Ah, il est en train de... Ouais. Il se remet à produire du sel. Très bien. J'en ai besoin que d'un, donc on peut faire ici maintenant ceci. Et ceci. Et donc ça, dans quoi doit-on le faire? Ah, est-ce que j'ai le truc pour fabriquer le corps? Parce que si je l'ai pas, c'est vraiment très con. Recycleur, non. Alors, les armoires. Douche, ouais, ok. Moi, ce que je veux, c'est juste une étagère. Non, on garde les composants. Ok. C'est dommage, on va dire. Armoire murale, il me faut deux de titane, ça va aller. Et on va mettre ça ici. Corps d'Alan. Corps d'Al. Ok. Des épinglés. Ensuite, le tracteur. Ils sont où les modules du tracteur? Donc ici, on a tout ça. Ça me paraît bien. Aquarium. Est-ce que je fais? Je vais le faire. On va dire qu'on fait tout.
Et 5. Je vais vérifier, mais je pense que c'est... Une. Deux. Ok. Oui, mais c'est plus drôle si je mets corps. Ça me fait rire. On s'attend à retrouver un cadavre dedans. Mais... Hop. Ensuite, c'est quoi? C'est du plastacier. Donc, plastacier. Ça, plus. Ça. Et le verre émaillé, c'est verre plomb diamant. Ok. Cordal. Plomb, il me faut deux. Ah mince. Verre. Et diamant.